C'est... Vous m'entendez ? Ouais ? Ok, merci. Du coup, je suis là pour prendre 5 minutes pour vous présenter ce qu'on vous propose sur le temps de midi. C'est une action qui est comportée par le dispositif ZEST, donc Zone d'expression contre la stigmatisation, qu'on a créé il y a un petit peu plus d'un an, qui est portée par le Centre Ressources Réhabilitation et par le Centre Référent Lyonnais du Coup en Réhabilitation. Aujourd'hui, à la Pomme, on va vous proposer donc de partir à la rencontre de Eva, Florence, Vincent, Audrey, Adrien, Anne-Cécile, Marianne ou Sylvie, qui sont toutes et tous des personnes qui ont envie de faire évoluer les regards sur la santé mentale. Et donc, ils vont vous proposer de faire ça par le médium qui est montré comme étant le plus efficace, c'est la rencontre directe. C'est une action qui, normalement, est proposée plutôt au grand public. Quand on l'a co-construit avec les participants, l'idée c'était plutôt de cibler le public étudiant, du coup. Mais tout le monde souhaitait pouvoir vous le proposer aujourd'hui. Concrètement, il s'agit du coup d'un partage de témoignages avec un temps d'échange dans un cadre bien défini. Le tout, ça dure une vingtaine de minutes. Donc si vous êtes intéressé, il y a un tableau Belleda juste à l'extérieur. Là, en fait, il y a la liste du coup des différents livres vivants, donc les personnes qui sont là pour échanger, et le titre du chapitre qu'ils souhaitent partager avec vous aujourd'hui. Il y a des créneaux, il y en a un à 12h40 et un à 13h20. Ça vous prend à peu près une vingtaine de minutes. Il y aura une partie du buffet qui sera mise de côté. Bien sûr que personne ne sera privé de repas. C'est des personnes qui sont concernées par la santé mentale. Certaines vivent personnellement avec un trouble, une condition neurodéveloppementale particulière, où elles en ont fait l'expérience. Elles peuvent être proches aussi aidants, elles peuvent être professionnelles de santé mentale. Et dans tous les cas, donc, on vous demandera, pour ceux qui ont de l'expérience, de, comme on dit, un petit peu mettre de côté la blouse blanche. En fait, vous pouvez être dans un positionnement professionnel dans ce moment-là. L'idée, c'est vraiment que ce soit une rencontre de personne à personne. Qui puisse se produire. Et les livres, du coup, donc, en tout cas, étaient vraiment heureux de pouvoir proposer ça aujourd'hui. À l'horaire que vous aurez choisi, il y aura donc les bibliothécaires, donc on est quelques-uns à être bibliothécaires, qui vous brieferont en bas du coup du bâtiment. On a un kakémono, là, le grand panneau vertical là, sur la bibliothèque, donc qui pour le moment est là, on le descendra en bas et puis on vous réceptionnera en bas, du coup, devant ce kakémono. Les bibliothécaires donc, feront un petit briefing et puis ensuite vous accompagneront jusqu'au livre qui vous attend pour l'échange. Et donc ça aura lieu sur, soit si le temps est un peu incertain, le permet dans les espaces entre les arbres et l'herbe juste devant le bâtiment, soit sous les arcades en face. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur la mise en place du coup, des bibliothèques vivantes, il y a un atelier dédié cet après-midi à 14h sur le sujet. Sinon, vous avez aussi plein de renseignements sur la page ZEST du Centre Ressources, du coup, donc ZEST, ZEST. Vous pouvez nous contacter aussi pour échanger à ce sujet. Merci pour votre attention et bonne pause.